Le film fantastique Aquaman se dévoile dans une bande-annonce. Lors du Comic-Con de San Diego qui s'est déroulé du 19 au 22 juillet 2018, les studios Warner Bros. Ont diffusé le premier trailer du film fantastique Aquaman. James Wan a réalisé ce long métrage consacré aux super-héros appartenant à l'univers de DC Comics. Aquaman, une bande-annonce pour le film fantastique. Dans les premières images de Aquaman, les spectateurs découvrent qu'Arthur Curry est le fils de la reine Atlanna et d'un gardien de phare. Ce trailer révèle également que le personnage principal est capable de contrôler des créatures marines depuis son enfance. Effets spéciaux, épopées aquatiques et lutte entre deux frères pour un royaume semblent être les ingrédients principaux de ce film fantastique. Le synopsis de cette réalisation de James Wan. Ce film fantastique met en avant Arthur Curry, le roi des sept mers qui vit sur Terre. Son demi-frère Orm convoite son trône et n'arrête pas de provoquer des catastrophes. Aquaman, qui a fait sa première apparition dans Justice League, devra tout faire pour protéger les Terriens qui ont déclenché une guerre avec les habitants d'Atlantis pour avoir pollué les océans. Jason Momoa incarne le roi des sept mers. C'est Jason Momoa, vu dans la série Game of Thrones, qui joue le rôle d'Aquaman. Il partage l'affiche de ce film fantastique avec Amber Heard, qui interprète Mera. Patrick Wilson incarne Orm, le demi-frère qui convoite le trône, et William Dafoe est Nuidis Vulko. Soulignons la présence de Nicole Kidman. Elle incarne la reine Atlanna. Un super-héros à découvrir bientôt dans les salles obscures. C'est à compter du 19 décembre 2018 que ce film fantastique sera projeté au cinéma en France. En attendant de voir Aquaman sur grand écran, les spectateurs peuvent visionner la bande-annonce pour en savoir plus sur ce personnage issu de DC Comics.